qui ça qui a passé dans Okaï ou bien qui t'a passé et comment Okaï est aujourd'hui là? Bon, pour le moment, Okaï est très calme. Ok. Mais il y a effectivement une journée qui était mouvementée. Et il y a plusieurs machines, un peu de machines qui étaient dans la rue, machines Sayo. Il y a un marché central et un marché Ridley. Suite à la décision irrévocable que mairie a prise pour délocaliser ces deux marchés, et mesure ça va permettre nous de nous sauver 4 à 5 écoles qui sont dans le bloc quartier Sacré-Cœur. Donc l'école ça a paralysé totalement et qui a abandonné tout simplement parce qu'il y a au beau milieu de deux gros marchés qui ont caillé. Non seulement qu'ils ont paralysé les écoles, nous avons un premier marché, le marché central, qui posait un problème de sécurité très sérieux. Et nous avons le ministre de TCA sur ça, parce que le marché n'a pas construit pour le gagner un étage. Mais il serait passé pour être capable de faire trafic, parce que c'est 20 ou 20 places. Okay. Ce qui était mettre un étage, qui était présenté un gros coup danger, c'est un marché totalement fichu. C'était pour des raisons économiques pour qu'il rentre comme. Oui, nous écrit le ministre de TCA pour capable faire évaluation objective des questions pour capable prendre des mesures qui sont nécessaires. Donc, nous avons souhaité que nous prenions le chat très au sérieux. Le deuxième marché qui s'est marché, le Sahel et le Bossal Latou, c'est un marché qui donne l'insalubrité totale. Si vous êtes dans quelles conditions, vous avez bonne viande, vous avez bonne fruits de mer, vous avez bonne du riz, vous avez bonne sucre. À même le sol dans la poussière ou bien dans la boue, et malheureusement, pas même des toilettes pour des centaines de monde chaque jour qui faisaient des marchés. Donc tout est, toute bagaille fait un seul. Okay. Alors moi-même, depuis mon entrée, je me dis que la situation a changé, que je n'ai pas changé, mais ça a lésé certains intérêts. Et le premier groupe d'intérêts lésé, c'est du gros commerçant qui, dans le quartier Sacré-Cœur, c'est là où on fait des pots. Donc, malgré l'offre qu'on fait, ils ont estimé qu'ils ont été réalisés. Il y a des machines qui ont été manipulées. Et parce que la situation des machines, c'est que, ils n'ont pas de rapport directement avec la mairie. Okay. C'est moi qui ai une relation avec l'ancienne administration mairie, qui prend l'espace là, je me dis, prends, parce qu'on va ramener la mairie. Et puis maintenant, ils ont sous-affirmé le bail machin du. Okay. Alors que dans besoin d'un archive mairie, il y a un demande de 10 000 gouttes l'an, 10 000 gouttes chaque année. Mm-hmm. C'est-à-dire que le magistrat qui est là, il fait trafic 150 000 gouttes, 200 000 gouttes, 300 000 gouttes pour une place. Ah bon? Le marché central. Là. Parce que vous venez à plusieurs mondes ou bien qui s'est passé? Parce que oui. Pour lui, il vient dans tout comme ça. Non, mais ça veut dire tout le monde mesure une place, c'est comme soit pour un cas et pour faire commerce. Oh oh. Mais là, il dépasse le stade de Timachan, parce que là, on Timachan, pas qu'à jouer tout comme ça. Non, c'est l'affaire assez sérieux. Mm-hmm. Mais qu'on a nous proposer l'autre modèle. Ok. Le modèle là, c'est que nous avons des terrains que nous faisons acquisition dans une zone commerciale. Nous avons viabilisé le terrain hein, avec l'aide de TPTC, CNE, bon, l'État haïtien, et nous avons mis des blocs sanitaires, nous avons mis et ils ont infirmerie, ils ont pété, ils ont bétonné. Mais ces gens n'ont pas construit boutiques, magasins et dépôts. Nous avons un plan, la mairie présente un plan type, mm-hmm. Et puis ils ont même construit. Nous faisons une concession. Donc on a un sac venu, c'est que l'équipe est bon, puisque on n'a pas gagné à faire la quête encore, parce que c'est comme si au propriétaire, sauf que c'est pour l'État. Okay. C'est la mairie qui a cité. Et on a eu payer des taxes régulières. Hein? Mais on parle tellement de rapport avec Timachan, magistrat. Timachan, et Timachan Pitio. Timachan qui t'a manifesté eux-mêmes. Oui, des gens qui construisent des pots à louer Bayou. Et qu'on a eu un affaire direct avec les gens qui louent Bayou, avec le propriétaire de tout ça. Okay. Et on a fait un fait direct. Tu voles depuis le tout du marché. Donc, pas de faire la quête encore. Nous avons toute disposition pour que nous ne passions pas avant dans des conditions de salubrité totale, dans tout pied, dans la boue. Les conditions d'hygiène publique sont respectées. Donc, la mairie a fait travail à Paris. Donc, nous associons une sorte de partenariat et nous commençons l'inscription.
Nous commençons l'inscription, je dis à chiffre de riche, je me dis 1238 machines qui inscrivent. Combien machines? 1238 qui inscrivent. Ok, mais c'est qui quantité n'a pas pris? Non, alors nous avons toutes machines en priorité. Ok. Maintenant, l'autre monde capable de l'inscrire, mais c'est leur machine qui finit. Okay. Avec des côtés de la machine, nous identifions ou des priorités en termes de scripture. Avec mois de juin, combien de cobres ça a coûté pour inscription? Combien de cobres ça a coûté pour inscription? Pour inscrire? Mm-hmm. Non, au papier, non. Mais, papier pour inscription. Ok. Magistrat, qui mesure? Après inscription, mm-hmm. c'est les contrats, la signature des contrats au mois de juin, tout le mois de juin. Ok. Et à partir des premières semaines du mois de juin, on a dit qu'on a déjà une situation où on a commencé à construire des poules. Mais où est-ce que ça prend le bain en termes d'emploi? Hein? Vous commencez à comprendre. Moun a poursuivi des pots, 300 moun a poursuivi magasin, 300 moun a poursuivi des boutiques, naturellement selon le plan maintenant soumis par la mairie. Donc où est-ce qu'il quantité et emploi ça peut le mettre dans la ville? Naturellement, politique. Manifestation hier, c'est manifestation melting pot. Autant où est tout politicien qui est candidat en 2019, il tout était là, il était dans cette manifestation. Et puis bon. Ils ont même causé des actes de violence, bah quoi c'est qui marche mieux vraiment. Okay. Mais mon instigateur de cette question, il s'appelle Pierre Léger. Pierre Léger. Et il paye mon pays là, payer vagabond, il te manque de situation. Est-ce que vous avez un problème avec Pierre Léger lui-même? Quel problème qui vient entre nous? Non, c'est pas le moment pour moi. Pas qu'on a des problèmes avec moi. Non mais est-ce que lui-même vous pensez le gros problème avec vous? Bon, il y a des problèmes avec moi parce que il y a des problèmes de poser par rapport à terre et la cour, pour qu'on y soit derrière la cour. Côté, il y a devant le gouvernement qui était passé, il y a un demande de dédommagement, et puis en même temps, il revient derrière. Ah bon? Il y a un demande de dédommagement qui acceptait, okay. Qui a un avis favorable du gouvernement, mais il revient derrière. Deuxièmement, problème qui gagne. Il t'a voulu, est-ce que l'a voulu toujours, malgré le vent derrière, il t'a toujours voulu ou dédommager? Ah, bah, on est puisque. Jusqu'à présent, il y a une demande en dédommagement. Et avocat là, il y a avocat, si tu es mettre point de bogat, c'est avocat lui. Moi, qui fait demande auprès du gouvernement, et que le gouvernement s'est accueilli favorablement, et que le premier ministre d'alors, il fait inscription à DGI et ministère des Finances pour juste favorable à ça. Et puis après, sans résiliation entre les deux parties, l'État en possession, l'État déjà construit le parc sportif, l'État construit des logements sociaux et pour bonne maintenance. Gabriel Fontaine n'est pas besoin d'accepter avant. C'est de l'escroquerie. Ok. Puis c'est de l'escroquerie. Le premier il s'appelle Pierre Léger, c'est comme si c'est normal. Deuxièmement, quand j'ai là, pas pour tout le monde. Comme, il est là, mais quand j'ai là. Ok. Il a utilisé quand j'ai là. À un certain moment, il t'a dit, il t'a envoyé une lettre le premier ministre Jacques-Edouard Alexis. Dit que la baillon partit le Kajira pour la construction de campus et universitaire. Mais Kajira pas capable pour M. X ou M. Z. Même en tête et magistrat m'ont dit, faut-il dire que l'État récupérait maintenant propriété ça, c'est la propriété de l'État ici. Okay. La propriété, nous, toutes les gens, pas capable pour tout le monde. Kajira pas capable pour tout le monde. C'est comme si du citadelle, la citadelle Christophe, citadelle Seigneur, du point terre. Okay. Le palais de son souci, du point terre. Donc jamais sous mandat parlement, ça n'a pas grave fait. Bon, quand écoutez. Là, c'est pour l'État haïtien. Donc nous prenons les dispositions pour nous récupérer quand j'ai là. Est-ce que pas un règlement de compte qu'a réglé? Magistrat, est-ce que pas un règlement de compte qu'a réglé problème politique entre vous-même et Pierre Léger? C'est pas pour la première fois. Mais hier, c'était pour la dernière fois. Parce que moi, je dis, mal bon proverbe, c'est comme nos jeunes ou pas qu'on aime. Le caillou en glace s'invite pour partir roche sous caillou en bois. Ok, magistrat. Non mais, m'comprends. D'autant plus moi-même, n'importe qui doit manifester. Mais je n'ai pas que doit vous dire. Vagabond, c'est petit point. Alors les fois, il s'en fait à côté petit point. Qui ça qui prouve que c'est Pierre Léger? Non. Ou bien point? C'est l'histoire. D'ailleurs, j'ai un bon dia arrêté hier, j'ai un bon dia depuis longtemps pour se faire des rapports, etc. Mais je pense que c'est le lieutenant de Pierre Léger. Le lieutenant de Pierre Léger arrive hier. Actuellement, ce mandat, ça a été depuis longtemps. La police, j'ai une occasion, et tout, c'est exécuté le mandat. Maintenant, la prochaine fois que manifestation,
qui vole pour la caille, c'est pas magistrat qui a fait pour. C'est quelque fois pour voler pour la caille. C'est quelque fois pour voler pour la caille. Maintenant, comme moi, je vais chez ma terre, je vais de presse, un petit peu de changement, il est pour le blague. Un petit vlé, ça vlé manger dans la rue encore. Il peut acheter, nous pousser encore. Ça veut dire qu'il faut prendre la rue tout. Parce que je ne parle pas de la rue, et la prochaine fois, je vais pousser ce qu'il dit, même quand il dit, même quand il voit, quand c'est hier là, c'est la dernière fois pour celle de sa vie. Magistrat. Je me bats vagabond, je vais me battre. Un vagabond, je suis comme tel, un malfrat, je suis comme tel. Ok, vous comprenez? Il y a tout le monde qui a le gouvernement, parce qu'il s'appelle diriger. Vous comprenez, il est capable de faire ça, je ne sais pas si mandat pas vu. Ça, c'est hier, c'est la dernière fois la peine de sa vie, la prochaine fois le service, il ne va pas convaincre qui est, il ne va pas faire ça. Parce qu'il n'y a pas de pour vagabond. Ok. Ok. Maintenant, magistrat, on retourne dans la question marché, hein, parce que si ti machin yo te campé, c'est sûr que peut-être yo te influencé ou bien intérêt ou menacé. Qui mesure que Mérien prend pour empêcher moun ki gagne plus ou bien en pile l'argent acheter en quantité de place 20, 25, 30 parce que c'est construction pour le fait en collaboration avec Mérien, cap bay ou plan, ok? Maintenant, qui mesure Mérien prend pour éviter que par une série de monde qui paraît comme grand mangeur qui prend presque toute place et puis une équipe l'autre monde peut-être qui a besoin en grande place si pas jeune et puis un monde qui jeune 15 ans. OK, mais j'ai la fait. Nous est-ce que ma chaîne déjà déplacement marché. Il y a des gens qui disent clairement que yo pas en mesure de construire au souvent petit point non et identifier ou c'est tout monde nous pas jeune. Il n'y a pas de possibilité de dire ça va associer la lumière. Donc, pas de possibilité pour nous venir pour faire marchandage ou après bon. Non, t'as coupé. Mon ami doit faire plusieurs autres inscrits et puis il paye combien puis celui qui combien. Il fait, il achète en 40 places, en 50 places et puis plusieurs inscrits et puis qu'on y a, c'est lui-même qui fait investissement. Non, non, pas bien ça. Chaque fois que le monde peut le construire. Eh bien, soit une boutique, soit un magasin, soit un dépôt, mais surtout boutique, magasin, la plier à une machine, une vieille machine, qui parle mes yeux de beaucoup. D'autant plus, dans ce projet, on va chercher une sorte de support de crédit pour cette machine, qui est une certaine garantie, et maintenant pour nous qui voulons entrer, moderniser ce système. On va chercher un support de crédit. Bien ne pas légaliser parce que pas bien crédit pour tout le monde. OK. Magistrat gagne de l'autre magistrat qui ça là c'est monsieur Locha, magistrat Mirbalea et puis madame Rodli Carietan, mairesse Lascar au bassin. OK, nous salue les collègues. OK. Et bien content que y a ce couple là et puis attendez et un problème que nous y est et oui. Que Yo même tout, y a besoin d'un pile problème tout, vous comprenez? C'est une solidarité. Ok, magistrat, étant donné que ou même ou censé, ou qu'on est position dans la politique là, qui mesure ou prend ou bien qui discussion ou te gagne avec moun qui est responsable pour le faire inscription pour éviter exclusion? Parce que si moun nan te nan vérité, te nan la paix, koun y est pour yon pas tellement favorisé, pour yon dire que c'est mon PHTK seulement qui prend une jeune place ou bien une chance inscrit pour l'autre monde, pour tout le monde dans le CAI. Tout petit machin, quel que soit le tenant politique, l'été voté ou pas, l'été carte électorale ou pas, mais au moins, pour le gain droit, pour le cas défendre la manger, pour les députés. Qui façon, qui négociation fait avec moun? Est-ce que déjà j'étais parlé avec elle déjà pour que le pas favorisé un parti joint et bon parti va joindre? C'est pas que ça du tout. Et mon cabinet inscrit d'abord, moi je dis que c'est des gens qui n'ont pas cher. Okay. Et à partir des documents nous disposés, nous sommes capables de connaître des gens qui n'ont pas cher. Ça fait un. Deuxièmement, instruction formelle passée, parce que je prends un parti politique, mon nom, parce que je prends une religion, mon nom. C'est des gens qui n'ont commerce de ça. Que la mairie identifie. C'est ça que fait l'inscrit d'abord. Vous comprenez? Nous avons le temps pour inscrire. Et puis, on a vérifié qui boit à le vendre. Donc, c'est pas un bail, nous faisons au hasard pour ça. Et nous quittons 20% pour des jeunes entrepreneurs, pour le monde qui voulait faire notre business, mais nous même 80%. Dans 80%, ça, on va compter si on a PHTK, on a la valeur, on ne va pas compter qui boit. On va pas compter qui boit. C'est des Haïtiens qui ont fait commerce, c'est des mondes sud, c'est des mondes au taille qui ont fait commerce depuis longtemps et qui ont une décision
rationnel qui prend pour nous délocaliser le marché, le fait pour les premiers bénéficiaires. Okay. Ils sont les premiers bénéficiaires. Ça n'a pas de doute sur nous. Et si tu as gagné abus qui t'a fait, moi-même moi là pour nous permettre pour apporter des corrections. Ok. Magistrat Fortuné, pays d'Haïti, qu'on est pour nèg qui gagne franc parler. Ou dit ça au penser, on dit ça au comprendre, non? Ou pas nèg qui passe à côté, là on comprend nos bagailles, ou dit ça au comprendre. Là on pas comprendre tout, ou dit ça pas comprendre. Bon, moi, gouvernement en a couru là. Président, ça s'est tombé, presque tombé, gouvernement pral tombé, président Jovenel n'a problème, mais le pral monte brigazio sous Mounio, président Jovenel n'a jamais l'a comporté là avec président chambre député Gary Bodo, licencié à traiter le temps qu'on timoun, et sans penser de ça là, parce que bah là compliqué, jette l'embo sale, sans penser dans cette situation ça là, Gounia. Bon, c'est plus complexe que ça. Il va prochain rapport au président, à la présidente chambre député, de Jovenel Azari Boudoum, parce que c'est ça. C'est très compliqué. Et il y a deux choses qu'on va pas souligner là. La première chose, c'est que le président Jovenel a un héritage de lui. C'est l'héritage, on a dit carrément de Petro-Caribe. Le président Jovenel n'a pas un agent Petro-Caribe. Nous avons un gouvernement préval là, un gouvernement Matéli, et nous avons pour la présidence de Pilaire. C'est eux-mêmes qui gèrent comme Petro-Caribe. Donc, lorsqu'un pays, au fin de gaspiller, détourner, de mal gérer 3 milliards de dollars, parce que tous les pays du monde, même en Chine, même aux États-Unis, ont dépensé 1 milliard de dollars, ils ont invisibilité. Okay. Donc, quel problème en Haïti sur question ça? Et c'est l'héritage des abîmes, c'est complexe. Pas oublier côté président sorti. Et la lumière, pour qu'on fait sur question ça, donc ça, il y a une conséquence sur une gouvernance politique pays. La deuxième chose, qui c'est une conséquence en partie de questions pétro-caribéennes, de mauvaise gestion que nous gagnons dans le pays, c'est Grèce Cochon en Capri. Et l'aide internationale n'a pas fini, même s'il t'a venu la symbolique et la tardive. Et il y a une bonne raison pour ne pas venir. Parce que lorsque vous faites une bama d'amour, cette semaine vous pouvez faire commerce pour être capable de gérer Kaila, puis écolage, et puis après 3 mois, vous ne pouvez pas faire comme là. Première réaction, ce n'est pas Balcob. Première réaction, c'est Mandel qui t'a le fait. Et tout le monde a demandé, mais qui t'a le fait. Donc, je dis à ce moment-là, le pays a demandé qui ça le fait avec Petro-Caribe. Le pays a demandé qui ça le fait avec Petro-Caribe. Donc, c'est pas facile de gérer tout ça. Deuxième question qui est très politique, Haïti, je dis, et bien avant, c'est un système de chefferie, nous là. Parlement, c'est un système de chefferie désorganisé, désarticulé. Parce que des systèmes de chefferie organisés, qui articulés. Ça nous a désorganisé, désarticulé, désordonné, et que chaque mairie, c'est un pays. Parlement, c'est un pays, et on est cours supérieur contre ces pays, puis m'assurer de ce contre chaque ministère, c'est un pays, c'est dans ce qu'il y a là. Donc, cohésion qu'on a besoin au niveau maintenant de la gouvernance politique, pas rien. Et maintenant, le problème pays là, qui fait chaque monde, non, maintenant, le milieu chef pris par lui, la PCI agit comme pompier, à gérer urgence. Et c'est un système de suivi, chaque monde qui est dans le système, non. C'est plus rapide d'aller sur le cas de c'est très complexe. Ouais. Ça n'a pas de solution pour lui. C'est comme si c'est une démolition institutionnelle pour faire en Haïti, ou arriver à reconstruire ce qu'on veut appeler l'État haïtien. Ça veut dire, pas de solution pour ça, ni là. Pour lui, pas qu'à piéger encore. Et c'est lui, mode de gouvernance, ça, mode de cohabitation, ça, mode de bagaille, mesdames, ça. Qui de tous les milieux politiques, les institutions politiques, qui finit, c'est la déchéance totale. Et sur le fond de pauvreté, il n'y a pas de bon résultat. Ou capable d'attribuer à un homme, il n'y a pas besoin de résultat. Ce n'est pas le président de la qui est responsable, ce n'est pas le président de la députée qui est responsable. Et c'est un système qui finit. Il faut remplacer par un autre système. Et alors que tout le monde voulait faire bricolage là-dedans, il n'est pas capable de bricoler là encore. Okay. Bon. Donc ce système-là pour nous attaquer. Et quel que soit, nous nous mettons là, ce n'est pas ce système-là. Donc il n'y a pas de résultat.
Deux logiques, pour finir sur la question ça. Pour une logique de fonctionnaire avec des mandataires qui n'ont pas aucun rapport. Ça n'est pas les états réels en Haïti, à chef réel. C'est des fonctionnaires qui ont rien de temps. Et puis là, on est venu comme député, comme sénateur, comme président, il est toujours appris. Parce que nous-mêmes, c'est 4 ans, il y a fait avoir 56 ans, et puis ils n'ont pas pressé. C'est de contrôler le système. Parce que nous n'avons pas dit dans le caravane, mais les parts traditionnelles haïtiennes, pas dans le caravane. Dans le caravane, l'État, ça veut dire l'État tout pour. Mais qui toujours là, ils pas dans le caravane. Okay. Et il y a fait tout ce possible pour brûler le président Jovenel avec caravane. Mais il est pour brûler le Jovenel, qu'on peut faire. Magistrat. Mais je vais te mettre tout avec le président. Et bien, pas y aurait. Parce qu'on a un système de suivi. Personne ne sait pas quoi, nous avons des meilleurs. Personne ne sait pas quoi que le pays est capable de sauver. Donc, tout de suite, nous avons essayé de sauver tout. Je laisse le président clairement comprendre. Et tout le monde, il y a plus le monde qui est avec, qui était dit, qui était capable. Donc, ouais, puis il faut l'aider au fin de toucher. Magistrat. Magistrat. Bonne fin de façon pour que. Quel chrétien, surtout 2018, nous ne pouvons pas le droit d'attirer. Je dis nous, parce que m'assumer sa présidence de Jovenel, il est fait. Il n'est pas d'accord, non, mais m'assumer. Parce que nous pas qu'à nos oppositions à président Jovenel. Ok. Mais, magistrat. Magistrat. Bon, tu es d'accord, non? Non, t'as dit. Magistrat. La dernière question du replatrage ministre Miguel. Donc, on n'est pas d'accord. Nous n'est pas d'accord, mais. L'organe est président. L'organe est ou même Gabriel Fortuné qui parlait avec le président de fonctionnement, de résultats que le gouvernement n'a pas bail. Par exemple, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Maintenant, l'on parle avec le président et le président lui-même lui choisit fait adélanter la continuer malgré résultat ou pas clair. Est-ce qu'on prêt tout pour assumer échec président Jovenel Moïse dans la mesure où il pas tendé moun pour tendé j'en sous dit là, il tendé en série de nèg qui viennent pour faire beurre seulement. Lorsque on proche un président, c'est moun président dans langage haïtien. Ça ne veut pas dire que c'est dicté pour le président. Et une président qui a appelé chaque matin pour la politique, dans mes bons amis, dans mes conseillers, le président a un programme, il a une vision, il a une façon de faire. Et qui là, bon, il invite tout le monde, et puis après, il prend une décision. C'est dans ce sens-là, mon Dieu, qu'il m'a assumé. Qu'il m'a assumé. Mais maintenant, pendant que je suis assumé, chaque jour, je m'a répété, si. Nous prenons une image, vous mettez le commandier central, chaque 10 minutes, vous prenez ma point goal. Je n'ai pas l'image du babon. Donc, écoutez, les positions, vous mettez là. Donc, c'est pas que le premier ministre, il n'y a pas fait assez bon le babon. Non. C'est nul, nul, nul. Non, il n'est pas capable nul. Ok. C'est pas n'importe qui. Ok. C'est pas n'importe qui. Non, en termes de. Non, ça l'a fait, là, comme premier ministre. L'université. Mais, moi, je dis pas n'importe qui. C'est ça que je me dis, si vous prenez une main. Et comme. Ailleurs, c'est ça. Ça, c'est une minute pour goal. Oui, mais si vous voulez faire goal. Si capitaine équipe, là. Ok. Si entraîneur décide lui-même, il dit ouais, pas ouais, ça avec lui, il a joué. Maintenant, est-ce que c'est choisi gagner ou bien choisi. Et où elle a pris un goal? Président, c'est un problème d'équipe, c'est clair pour tout le monde. Président, c'est un problème d'équipe. Une équipe, ce n'est pas une somme de joueurs, ce n'est pas une addition de joueurs. C'est plus que ça. D'abord, la complicité pour exister entre joueurs. Complicité existe entre joueurs. C'est le partage d'assumer l'objectif constitutionnel, nous clair sur nous. Et le degré de sacrifice à ressortir, si tu me casses à la palais, nous sommes capables d'atteindre l'objectif. C'est ça, il faut clair dans le moment ça. C'est pas, il faut clair. On a toujours pas président. Je suis toujours pas président conseil. Je suis toujours pas d'accord avec ça. Mais ça va vous dire, bon, on va faire une guerre. Dernière fois, je ne parle pas de sous-coupe qui est sur le premier ministre. Je vais parler de ça. C'est pas vrai. Je n'ai pas de problème. Je suis le premier ministre. Mais je suis même devant la nation. Je me dis, ça me pense qu'il peut permettre cette situation améliorée. Et ce n'est pas seulement du côté de la présidence qui vous fait des concessions ou des choses. Du côté du Parlement, je pense. Il y a des bagages qui sont faites. Il y a des bagages qui sont faites. Il y a une complicité qui existe entre le Parlement, entre les différents pouvoirs de l'État.
Okay. Il y a un minimum de complicité qui fait pour traduire dans la collaboration qui est obligatoire. Pendant que j'ai des fonctions spécifiques de contrôle, mais en même temps, dans les cadres de l'État, je me considère des contrôles du Parlement qui a assumé les fonctions de contrôle là, il faut qu'on collabore. C'est l'aide ensemble. Donc c'est la complexité, mais il faut qu'on comprenne pour faire. Même okay. Au niveau du pouvoir judiciaire, au niveau de l'État, il faut qu'il y ait de la complicité. Mais maintenant, trois monde, tous les rentrés dans l'État, c'est ABC, ça m'a parlé là, je ne connais pas, je ne peux pas maîtriser. Ça fait le bon problème. Mm-hmm. Mais en forme de les États généraux, c'est tout bien. Donc c'est un espace qui est lié pour que des débats, c'est sur ça m'a parlé là. C'est même sur ça m'a encouragé, c'est que nous sauver les États généraux. Parce que j'ai des bases à dit là, par une solution immédiate. Mm-hmm. Mm-hmm. Il ne parle pas d'un projet. Et nous parlons plus que pour ce projet. L'année prochaine, en 2019, ça va être la fin de la secrétaire de législature. Donc, il faut qu'il y ait un projet de changement de constitution d'amendement. Par contre, pas qu'elle voit ou pas le parti pour faire lui. Et les travaux des États généraux, les conclusions des États généraux, c'est lui qui comprend le nouveau. Qu'est-ce que ça, le nouveau contrat social, ça, ça traduit une constitution. Non, parce que ça, c'est ce qu'il a, c'est pas bon quoi. Oui, mais. Ça, c'est pour corriger dans le pays, c'est dans l'État généraux qu'on a le corriger. Et parce que je dis à tout le monde l'intérêt, même les opposants, pour sauver le mandat de Jovenel Moïse. Et soit qui au pouvoir. Et pour qui ça n'a pas parlé, pour qui ça n'a pas fait appel à vous dans l'État généraux? Hein? Puisque tout le monde là, est-ce que tout le monde l'a donné ou bien tout le monde va la donner dans l'État généraux? Non. Tout le monde fait pour la donner. Et pour qui ça n'a pas fait appel avec, par exemple, Petite Dessaline, pour qui ça n'a pas fait appel avec Famille Lavalas, pour qui ça n'a pas fait appel en ensemble de l'autre monde? Est-ce que c'est le monde qui... Pour la donne. Pour bah. Une meilleure formule, une meilleure pédagogie pour que le monde qui récalcitera nous puisse rentrer là-dedans. Okay. Donc, mais c'est important. Il y a des jeunes dans le pays qui ont des doctorats, des jeunes... Non, pas pour nous, pas pour nous. Qui ont l'autre niveau. Donc il y a une autre façon de voir le pays en termes de modernité, etc. Nous pensons que le groupe ça fait là. Pour qui ça pense que c'est lui qui va remplacer. Vous ne pouvez pas dire président ça? C'est le dernier mondial nous avons joué. C'est le dernier qui a venu. Mais ça, il y a une autre façon de Haïti pour intégrer Haïti dans le monde là. Pour intégrer Haïti, du moins dans la Caraïbe là, dans l'Amérique là. C'est fond côté sur nous. Il ne faut pas qu'on fait l'État généraux, c'est me parler de M. Sayo. Il y a un jeune de 25-30 ans avec deux maîtrises, des doctorats. Il y a là, il y a 4 cas en Haïti. Il faut créer une place pour nous. Parce que Dieu c'est nous-mêmes. Donc c'est tout ça. Donc il y a des corrections permanentes qui sont proposées en des espaces là, qui créent. Pour nous aller le plus monde de bonne foi possible. Pour nous sauver ce mandat. Pour nous sauver le mandat. Ok. Maintenant, magistrat, nous allons finir. Vous avez parlé de question pétro-caribéen. Est-ce que vous-même ou pour il y a un véritable procès de Petro-Caribé pour les gens qui vont l'en sanctionner. Et puis, pour nous faire lumière sur lui, puisque on dit que le problème Petro-Caribé, ça a baillé président Jovenel le problème. Mais lui-même tout, dans la déclaration que l'on fait en France, il n'a pas montré volonté pour que le procès en fait. Maintenant, ou même, est-ce que pour le procès en fait, pour condamner les gens qui vont l'en, qui crasent l'argent, qui empêchent le gouvernement là actuellement, qui baillent tout problème ça, par rapport avec héritage. Donc, est-ce que vous pouvez un procès caribé vraiment? Depuis la campagne président Jovenel, nous faisons presque tout le pays avec. Jusqu'à côté de ma parole, la principale revendication, c'est une commission de vérité sur les crimes économiques. Donc, plutôt caribé. Dans le pays, ça, vous comprenez? Mm-hmm. Et que le monde qui est responsable, fixer la responsabilité, ou le monde qui est. Ok. Bon, nous allons terminer. Dans la question gaz là. C'est celle qui a le possible des pays ça. Parce que la majorité silencieuse. C'est une bagaille qui dit je dis pas là-dedans. Parce que 3 milliards là, il faut qu'on se passe. Le problème c'est que même nos universitaires, ils ne vont pas arriver dans un milliard. Parce que ça n'a pas frappé l'imagination pour nous passer. 3 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'il n'est pas évident du tout le pays. Donc il faut que les gens se rendent compte. Mais ce n'est pas seulement Petro-Caribé. C'est dur à dire à nos jours. Nous passons du crime économique. Le dernier rapport de Paul Lignier, mais aussi les deux rapports, ça aussi, que tout rapport, c'est qu'il y a un autre rapport de Paul Lignier. Parce que le rapport, ça va le compléter. Le temps de privé, il n'est pas la donne. Bon, actuellement, quand on a couché des comptes, et soit là, le temps de privé. C'est que, nous qui est important, on dit que Petro-Caribé,
une petite grâce. Ok, pour terminer, magistrat, avant de finir, ou camper avec le président Jovenel pour le monter Gazan là, je ne sais pas qui est la population là qui va vivre, mon Okayo, mais l'autre magistrat qui est dans l'autre ville, grand pile grand goût, il n'a pas tout prince qui grand goût, tout bagarre après le monter, ou même ou avec le président, il met à délanter monter Gazan là? Non, ce n'est pas à délanter pour lui. Ah. Je pense que je vous dis, si Gazan a monté, il y a une nécessité pour le monter. Et il y a une transparence qui peut faire d'abord et en gouvernance, comment nous gérer l'argent de l'État, au moins pour le président Jovenel là. Et deuxièmement, comment nous pouvons le faire pour que l'argent ça, qui peut être petit qui peut le payer, comment nous pouvons le faire pour que nous-mêmes, cette fois-ci, pour une fois, nous disons maintenant, augmentation, hausse de l'État, il peut servir à quelque chose. Dans ce sens, ça encore, il est bon pour travailler avec tout ce qui est net. Pour faire la plus grande transparence avec vous, c'est un bon diagnostic. Pour faire des travaux critiques sur pratique dans l'État, juste pour qu'on cherche contre ça. Parce qu'on ne peut pas commencer dans tout un an pour résoudre le problème. Et si on a gagné un côté, finalement, ça ne peut pas marcher. Même gens. C'est même au niveau de la Chambre des députés, au niveau du Sénat ou des maires, des collectivités, tout voulait ensemble du projet, tout voulait pour faire toute bagaille pour nous, un qui ça pour faire, pour qu'il comme. Mais je veux dire, il faut que nous regardions comment le pays est capable de rentrer dans la production réelle, véritable régime économique. Parce que le système fiscalité, c'est un système qui dépend de la situation économique. Okay. Régime fiscal. Si l'économie n'a pas marché, ou déjà pas de ressources, ou après exploiter, ou pas de pétrole, ou après exploiter, ou pas de notre ressource, ou après exploiter, c'est sur cette taxe-là seulement, c'est pour seulement. Non, il faut que tu aies des pays, il faut que tu aies des millions d'habitants. Je t'en prie, c'est corruption. Corruption. Donc, sans ça, c'est quelque chose d'extrêmement délicat. Okay. Extrêmement délicat pour que le traité du pouvoir. Bien plané, permettre que, pour une fois, ça va être une décision de la nation. Mais, ok. Magistrat. Faut-il bien que la disposition pour, mais qui se crase les 3 milliards de dollars, ils répondent devant leur juge. Ils répondent devant le juge, ça parle du coupable, non? D'abord. Okay. Ça parle du coupable. Mais, si on est de base liée, la réduction des comptes. Oui, mais il n'est pas bon tout pour les gens qui présentent devant le juge, et puis comme si au fond similaire, et puis après, la population, ouais, que tu es présenté devant le juge, après ça, le juge a dit, allez pas pêcher encore. Non. Il y a tout le monde qui fait pêcher, grave là. Non, on a peut-être qu'à l'idée, on va les pêcher venir. C'est pas les vignes du tout. Ok. Ok. Bon, en tout cas, magistrat, selon ti ça qui t'est passé au canal là hier, ti machin de lever contour, yo t'es influencé ou bien manipulé par un certain de Pierre Léger, un gros coq chanté. Pierre Léger profitait de ça. Mais machin profitait de ça. Ah, ok. Tu dois faire manifestation. Ok. D'accord. Et même si à côté, il y a ce qui était réalisé, il n'y a pas de changement par partie, il n'y a rien de droit. Alors, pour. Comme on dit, lorsque il y a des vagabonds, des malfrats, il y a une cité qui est légère, qui profite. Ça brûle mon lait, ça brûle mon lait. Il me dit que c'est la dernière fois. La dernière fois. Okay. Parce que lui-même, il y a des cailles en vie, même des cailles en bois. Ok. Mais, bon, mon motion là. Je ne suis pas d'accord, parce que je me dis traumatisé, parce qu'en 2008, mais j'étais envoyé mon lacay mon tout. Ok. En 2008, il okay. C'est une longue histoire. Et puis moi-même, ma presse était du doigt. Ok. Mais malgré tout. Ma presse était du doigt, elle va se mettre un caille en bois. Malgré tout, un gros coq chanté dans Okaï, Pierre Léger, on l'autre gros tour gondé qui c'est magistrat Gabriel Fortuné, yo tous les deux, c'est Nego Okaï, qui a bataille pour Okaï. Est-ce que mon cap tendé en Haïti comme à l'étranger, pas besoin tellement peur pour Okaï, pas gagner trop gros problème, puisque nous tous, c'est mon Okaï, nous aimons Okaï, nous aimons pays. Mon cher bon Dieu, il y a un bagage qui pour nous apprendre des changements. Mon qu'on est changement Haïti, c'est pas une césarienne quand même la finie pas passer. Regardez toute l'histoire de l'humanité qui s'allie. Il y a un côté arrivé, c'est pas la diplomatie qui résout tout le problème. Ouais. Parfois c'est la guerre, malheureusement. Mais nous hypocrites,
parfois on oublie ça, nous lit au salaire après nous, toute l'histoire de l'humanité, c'est ça. Et même Jésus-Christ, ouais. Parce qu'il y a un cas qui arrive là en Haïti. Une série de monde qui prennent pays comme des racistes. Elle dit, ils ne font pas seulement avec bonne la caillou, c'est votre la caillou, ils disent au bon. C'est comme ça qu'ils évaluent tout. Ils ne vont pas même comparer avec les investisseurs dominicains, les investisseurs jamaïcains, colombiens, etc., américains. Ils ont toujours comparé avec les gens qui sont considérés comme esclaves, les servantes de la caillou, tellement d'écart. Nous voulons nous bien et que nous voulons pour payer et que nous payer à notre place. À certains moments, c'est ces aliens qui ont fait, c'est la guerre qui a fait, pour nous sortir de la situation. Il ne faut pas perdre l'île. Parce que ça ne pas perdre l'île. Et nous avons l'autre là-dedans. Pour ça. Ça veut dire, lorsqu'un petit groupe pour nous comprendre, nous sommes capables de payer ça en otage. Ça veut dire parce que nous avons nos destinos. Et sinon, moi-même, ces paysans de nos cailles, je dis à ces mots qui ont bataillé. Pour Basile, ça ou l'autre, ou l'autre plan. Il y a une association qui a des petits sauts de la ville de Caï. Mais tout ça, on fait. Mais résultat. Mais nous-mêmes, nous venons là, on a préparé. Donc, je dis à la commission de la DIO, aucun doit même jouer avec Tupoun. Tupoun reconnaître. Et personnellement, on fait effort. Et on a plus gros usines, des usines plus modernes dans le pays, et même dans le Caï, dans la question de l'hiver. Mais dans quelles conditions? Ça pas où je le dois pour dire ça que c'est des salines qui étaient pour nous, et que j'ai là, ou dire ça, et que le monde va pas monter sur nous, mais nous-mêmes nous monter sur lui. Parce que c'est tel pays, c'est tel des salines, c'est tel état lié, n'a pas monté sur lui. Okay. N'a pas monté sur lui, je ne dois monter sur lui. Il passait sûr comme si parce que c'était les gens pour dire que je l'ai c'est pour vous, mais maintenant c'est pour nous pour pas le réclamer, ça donne la Seigneur. Je parlais de ce souci, c'est pour les deux réclamer. Mais je viens de dire là, et je viens de dire là, et que personne ne va parler avec elle. Nous, nous ne va parler avec elle. Ok. Eh bien, magistrat. On fait affaire avec l'État. On fait des dédommages. L'État répond favorablement à la dédommage. On accepte. Et puis, on a bon respect. Donc, c'est de l'escroquerie. Ok. Parce que c'est même bagarre pour arriver à lui. On lui dit nous réunions de tâcher ce petit vol et tout à alors que maintenant, c'est gros vol est là. Ça a décidé hier. Ça fait escroquerie. On lui dit tout juge. Tout juge. Et on fait être en bas avec nous. Oui. Eh bien, magistrat Ville des Cailles, Gabriel Fortuné, Radio Scoop FM, merci. Bon travail. C'est même que chez nous. Un peu pas de problème, donc mesdames, messieurs, vous tapez suivre magistrat au Calan, Gabriel Fortuné qui t'a intervenu dans Haïti Débat. Donc nous remercions tout le monde qui tape suivre émission 1. Nous avons rendez-vous demain dans même l'heure. Mais Nabdou que normalement nous gagnons porte-parole de la présidence. Vous comprenez? Donc qui tape réagit parce que Scoop FM lui-même lit sous tout terrain. Donc c'est pour ça que pendant que nous finissons dans des ministres communication, hein, nous venons dans des magistrats du local, hein, ben nous toujours été n'importe où prince parce que porte-parole de la présidence Lucien Jura qui a intervenu.